Petite vidéo de correction, le CA initial est de 500, donc on part de 500. Ensuite, le prix augmente de 4%, donc on multiplie ce CA initial par 1 plus 4%. C'est le delta de la variation, hein, notre prix augmente de 4%, donc en fait on multiplie le 500 par 1 plus par la variation au prix qui est de 4%, donc 1 plus 4%. Le volume lui diminue de 2%, donc on multiplie à la suite par 1 moins 2%, variation négative du volume. Hein. Et enfin, la variation de périmètre augmente de 20 millions d'euros, donc on rajoute plus à tout ce qu'on a calculé là, plus 20 millions d'euros, ce qui nous donne un résultat arrondi à l'unité de 530 millions d'euros. Voilà.